C'est la première fois en fait que je tiens un drapeau en même temps de faire du galop. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais c'est ouf, genre ça c'est moi qui l'ai fait. Vive la gastronomie marocaine. Je suis choquée, oui là on est à Bordeaux, je suis choquée du monde qu'il y a. On est samedi, c'est le matin, on est le samedi 18 juin. Regardez-moi la file genre. Bref, vous avez suivi nos aventures, ça va être trop bien. On est bel et bien dans l'avion. Par contre franchement c'est assez large. Non, c'est super large. Les masques sont obligatoires. J'ai trop le seum. C'est démodé le Covid. Point. Je vais manger pendant tout le vol, comme ça j'enlève. Nous sommes bien arrivés à Casablanca. Mohamed Khemis. Et par contre, il y avait un truc qui était trop drôle, c'est qu'en fait, il y avait plein de gens. Je pense que, je sais pas si c'est parce que je porte le voile ou je sais pas, mais ils croient trop que je parle arabe, tu vois. Du coup, ils me parlent direct en arabe, moi je suis en mode. J'ai pas compris. Et je fais l'arabe. Mais franchement, le temps il est trop bon, le vent il est assez frais. Pour mieux visualiser le début de ce voyage, voici la carte du Maroc. Nous atterrissons à Casablanca, au nord, puis nous allons aller vers le sud pour arriver à Essaouira. Avant ça, on va s'arrêter à Jadida et Safi. Ok, du coup, on est bel et bien arrivés. Eh, franchement, l'endroit il est grave chill. Eh, il fait trop bon. Il fait 24 degrés là. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est trop bien. Oh, les droits d'auteur là, j'espère qu'ils vont pas couper. Ce cadre il est incroyable, je prends mes meilleures photos ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les rouleaux comme ça derrière. Là, on va nager un petit peu le temps que le thé arrive. Et puis voilà, c'est plutôt sympa. Donc, du coup, on va profiter. Verdict, c'est trop bon. Vous avez tout ce qu'il fait là. Ouais. Il y a des tagines, petites salades marocaines, bref, des trucs pas mal, tu vois. C'est ce que mon frère a pris. Un tacos. Ah ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Je crois qu'on va finir ça. Hein. Et bienvenue à Souira. Oh, c'est trop beau. Franchement, c'est une ville trop belle, trop magnifique. On est au centre de la Médina, donc ça, c'est trop trop bien. J'avais oublié de vous dire, c'est aussi la ville des chats. Mais oui. On ne dérange pas. Alors, nous sommes ici. À droite, il y a le musée, c'est de Mohamed Ben Abdillah. Ça, c'est le rempart. C'est une place fortifiée avec des canons. Je vais vous montrer la terrasse, mais regardez-moi ça. Tu peux même t'allonger ici. Il y a même une prise à côté. Le soir, tu t'allonges, tu prends un petit thé. Regardez comment c'est haut. En fait, c'est pas une chambre, c'est une suite. Elle est énorme. Donc, ici, on a les toilettes. Juste, les toilettes, elles sont canon. Regardez la porte. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Incroyable. Oh, ah, il y a une baignoire, carrément. Et la chambre. Pff. Ah ouais. C'est génial. Sécurisé, là on est dans la Médina. Donc en fait là on a tout à faire à pied, donc c'est trop trop bien. C'est parti. Ah, tu vois la fumée sortir là.
Vive la gastronomie marocaine. Qu'on veut dire que je suis en train de me régaler. C'est des sucres, ouais. Nouvelle journée à Souira, Essaouira. Il y a plein de potu shops partout. Là, on va faire un peu les magasins. En fait, si on est au centre de la Médina, c'est assez cher, du coup on va s'excentrer. Il y a le monsieur de l'hôtel qui va nous accompagner carrément pour nous montrer les endroits qui sont bien. Je vais faire du cheval et je veux une très belle tenue. Du coup, on va chercher ça. Franchement, vous avez vu comment les petites rues, elles sont trop belles. Ils les nourrissent bien, les chats, ici. Ils sont toujours nourris. Regardez, il y a des croquettes partout. Je me suis trouvé des babouches vraiment canons. Je vais les essayer. Maman, les babouches, faut qu'elles dépassent un peu ou non, faut c'est très bien. Là, c'est bien. Prenez toujours une taille de plus que vos pieds. Voilà. Et ensuite, on a pris une tenue pour le cheval. Extrait pour ça. Mais même en fait, je voulais trop un truc qui a trop de flow, vous voyez. Et j'ai pris une genre de cape. Voilà. Et je pensais que c'était que pour les hommes à la base des SLM. Mais en fait, c'est aussi pour les femmes. Du coup, je suis contente, j'ai trouvé mon bonheur. Voilà. Là, c'est juste ici si jamais vous voulez passer. Celui-là il vient de Fès. Un peu droit à côté. Ok. Aussi. Ah, Souira. C'est magnifique. Voilà, super. Regardez tout ce qu'il y a. C'est pour le linge. Genre, vous mettez ça, vous savez, où il y a vos vêtements, vous posez ça, ce sont super bons. Dommage, je peux pas vous partager l'odeur, mais ça sent très très bon. On fait tout vous-même. Tac. Wow, ça sent la tsahan. C'est avec du safran, genièvre, la cannelle, c'est de carvi. C'est du vrai rassel hanou. Oh là là. Est-ce qu'il a un site internet, etc. Malheureusement, c'est tout sur place. Parce qu'en fait, ça nécessite trop d'organisation, d'envoyer des colis, etc. Du coup, il faut venir ici. Et en vrai, vous savez, vous avez des vols directs hein, qui font France et Essaouira. Donc venez ici directement. Vous n'avez pas regretté. Là, vous allez être morte de rire. En fait, hier soir, j'ai été très choquée à quel point les chefs étaient ultra fortes. Vraiment, j'étais choquée parce que c'était de l'art, leur cuisine. Et puis la chef, en personne, m'a dit « Assia, viens dans ma cuisine, je vais te faire un petit tuto. » Je dis « Bah, pourquoi pas ?» Comme ça. Comme ça. Tu lèves. Trop vite. En face, comme ça, et on bouge comme ça. Ok, super. Je stresse. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est parti. Vite. Oui, oui, oui. Ça va ? Comme ça ? Oui. 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 Bien ou l'aile là ? Comme ça ? Peut-être que c'est le enroulé. Waouh. Ok, et ensuite. Waouh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Mais c'est ouf. Genre ça, c'est moi qui l'ai fait. T'as même besoin de une cuillère de sucre. Je vous recommande de mettre un drap avant. Et tac, tu mets ça au centre de tes desserts et tout. Et c'est magnifique. Je suis trop fière. Bon, du coup, on a du jus d'orange frais, bon, des berlés. Non, berlés. On a du fromage frais au thym. Mais le confiture aussi est fait maison. C'est vrai ? Oui. Oh. Ensuite, on a du bad boat. Donc... Il a l'air incroyable. Alors là, nouvelle journée. On va partir chez Yacine Cavalier. Vous le connaissez sûrement sur Instagram. J'y suis déjà allée une première fois. J'avais vraiment aimé. Du coup, bah, on passe à Essaouira. C'est obligé qu'on passe par là-bas. On va galoper là, ça va être ouf. Il est 11h du matin, normalement on fait ça au coucher du soleil. Mais en ce moment il y a vraiment beaucoup de vent et on va pas apprécier comme on apprécie d'habitude au coucher du soleil. Du coup bon, on va quand même kiffer, hein. Il fait très très bon. Donc voilà, à tout à l'heure. Ok, alors bienvenue chez Yacine Cavalier. Je vais vous montrer le cheval que je vais prendre. C'est un cheval arabe, évidemment. A tout temps. Je pense que ça va bien se passer. Ah oui, je voulais vous montrer ma tenue, je voulais même pas montrer. C'est une tenue traditionnelle marocaine. Donc ce qu'on appelle un selam. Vous en avez pour les hommes, pour les femmes. Normalement, les femmes, c'est un peu plus travaillé, normalement. Mais bon, lui, il est très joli. Et puis voilà. Hein ? Ouais, regardez derrière. Ça se détaille. C'est magnifique. Actuellement sur le chemin.
chemin pour aller directement à la plage. On a à peu près quoi, 15 minutes à cheval, c'est ça? Ouais. On a des petits chemins comme ça, assez calmes et tout, c'est plutôt cool. Et puis après, ça va bombarder. Bah du coup ça y est, on a terminé, on a mis les chevaux dans le box et franchement c'était incroyable. C'est la première fois en fait que je tiens un drapeau en même temps de faire du galop. C'est pas facile, bon, franchement on s'est débrouillé. À un moment, je sais pas si vous avez vu, il y a un cheval qui a mis un coup comme ça derrière, mais on a tenu aussi. Mais t'en as pensé quoi, c'est quoi les sensations? Oh, quand en fait au galop tu sens le gavet puissante. Par contre le trot c'est trop dur. Vous allez voir que si le trot faisait un peu peur, en général c'est plus le galop, c'est plus facile. T'as juste à être en suspension, en équilibre, et ça va tout seul. Les images elles ont l'air incroyables et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. De toute façon vous avez déjà vu là, là ça l'a pris. Bon, ben, du coup lui en fait c'est le cousin de Yacine, c'est, ouais, ça, c'est ça. Exactement, et ils tiennent, vous savez, la page Yacine Cavalier. Et ils ont une page, on vous envoie un message juste sur Instagram, ouais, c'est ça. Pour réserver en avance, c'est quand même mieux pour l'organisation. Donc la page c'est Essaouira-Horseride, c'est ça. Et pas Yacine Cavalier parce qu'il y en a, ils vont je crois leur envoyer un message et c'est sur cette page, hein. Ne confondez pas. Il y a ta page Instagram aussi, ouais. Jeune Cavalier, c'est cavalier, ça, ouais. Je vous le mettrai, de toute façon je vous l'écrirai. Du coup n'hésitez pas à aller sur parce qu'ils ont du contenu de ouf. Et ils sont top, hein. Franchement ils ont accompagné ma soeur alors que j'ai... Ouais, j'ai rappelé tout, ça va, ils m'ont aidé et tout, ça a été simple. Mon petit frère aussi et tout, il a accompagné, il y a de tous les niveaux. Vous dites voilà ce que vous voulez faire, ils prennent des photos, vidéos, etc. C'est lui qui s'en occupe. Donc si vous voulez un même contenu, venez ici à Essaouira. Ce soir, on va encore manger au Riad Malaika, du coup toujours le même. On a trop apprécié. Non mais vraiment, on est tous d'accord sur la cuisine. Ouais, mais c'est excellent. Faut savoir que mon père c'est quelqu'un de compliqué et même mon père a aimé. C'est pour vous dire à quel point. Mais c'est excellent. Le goût de Fissa, je sais qu'ils vont être trop forts. Vas-y goûte. Arrête. je vais vous laisser, je vais manger. Tu manges pas d'être comme ça. Non mais c'est excellent. C'est incroyable. Et t'as fait un henna carrément. Ah oui, t'as vu ça? Magnifique. Non, pas par un jacques. Oh, c'est quoi qui est au milieu? C'est là. Le temps est hyper bon ici. Franchement, il fait trop trop beau. Vous avez vu, j'ai pris des couleurs. Je suis trop contente parce que habituellement, je prends jamais des couleurs. Il n'y a pas beaucoup de monde et tout, c'est trop bien. Ici, il y a une église, il y a des mosquées, il y a de tout ici, c'est incroyable. J'avais jamais visité de synagogue. Ah, ils disent comment? Shalom alaikum. C'est ultra haut, mais regardez ça. J'avais jamais visité de synagogue. Bon, maintenant c'est un musée. Il y a une grosse communauté juive au Maroc depuis des décennies. Commerce d'autruche, de gomme, de sel, d'or. Ah oui, c'était le commerce transsaharien, celui dont je vous ai parlé dans la vidéo test ADN. N'hésitez pas à aller voir. Il faut savoir que la première banque du Maroc, ça a été fait à Tanger. Ça a été la première au Maroc. Elle a été faite par des juifs. C'est incroyable. Ce sont des gros commerçants. En gros, ici, nous sommes dans un grand atelier où ils exposent directement tous leurs bijoux qui sont en argent. Et ils sont ici, là, implantés depuis 20 ans. L'enseigne en soi, elle existe depuis 1908. Ça fait très très longtemps. Ils doivent nettoyer tous les bijoux pour qu'ils soient nickel. À cause de l'humidité, en fait, ils sont pas top. Du coup, ils refont tout ce travail. Donc, n'hésitez pas à visiter cet endroit-là et même acheter de l'argent ici, c'est vrai. Parce que là, ils travaillent avec une délégation nationale du ministère. C'est un honneur. Et ils ont même rencontré le roi. Donc, c'est quelque chose. Bienvenue chez nous, on est très contents de votre visite. C'est un honneur, vraiment. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes très gentils. Voilà, peut-être les gens ne vous connaissent pas. Mais vous êtes super gentil. Oh, merci, c'est gentil. Vous aussi, Allah yahfadhak. Non, mais vraiment, il est adorable.
c'est incroyable. Et c'est pas, vous savez, le rire un petit peu arnaqueur, oui, on, nous on connaît. Adorable, les gens, ils sont adorables. Regardez où on est, regardez, juste le cadre. On se croirait au jardin Majorelle à Marrakech. C'est magnifique. Hé hey. Faut mettre les doigts ici aussi. Ah ouais, ok. Je vais couper les sons. Ça change. Ah ouais. On va écouter, c'est la fin de ce séjour dans ce magnifique Riyad. Quoi vous dire, c'est la deuxième fois que je reviens et deuxième fois que je suis aussi satisfaite. Oh là, regardez juste la déco. La déco, elle est ouf. Ici, vous pouvez prendre vos meilleures photos. Je remercie vraiment, vraiment les responsables de ce Riyad qui nous ont vraiment hyper bien accueillis. Quand je vous dis vraiment bien, ici, tout le monde est adorable. Tout le monde est adorable. Il y a même un monsieur, en fait, qui est ici. Il nous a fait le tour de la Médina, il nous a accompagnés toujours. Ils sont adorables. Et je reviendrai, c'est sûr. Là, on va changer. On va partir direction Marrakech. On était censé partir à Agadir, je vous avoue. Mais le temps n'était pas bon et on nous a pas conseillé d'y aller parce que, premièrement, il y a trop de monde. Moi, j'aime pas quand il y a trop de monde. Et on m'a dit qu'aussi, il y avait trop de travaux au centre de la ville. Donc, on s'est dit ça. Donc, là, direction Marrakech, on va aller dans un désert, le désert d'Agafay. On est de retour. Ah bon, on est à Marrakech hein, actuellement et on s'est tenté à aller au camp. Du coup, là, on a à peu près combien? 30 minutes de route. Là où on va, c'est à peu près 45 minutes de Marrakech. Franchement, les routes, ça va, sont plutôt bien. Parce que là, en soi, c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal. Ouais, là, c'est y a rien de bizarre. J'aime bien. Mais après, vous allez voir. Franchement, on va se reposer. Mais vous allez voir que le cadre, il est hyper. Ça fait du bien, en fait. Du silence, du calme. Ça fait du bien. Ça change de Marrakech, hein. Oh, ça tue. Ah, c'est bien, ils mettent le roi à côté, laisse-moi passer, ouais. On va arriver dans 10 minutes. Ouais. C'est un chemin. On suit les traces de pneus, voilà. Mais ça va, alors, vu qu'on a une 4x4, ça devrait le faire. Dis-moi, Jamy. Ah, j'aime trop les routes comme ça. Incroyable. Un petit canapé stream, Bali, c'est pour... Oh, il y a même une chemise. C'est trop joli. On a un grand lit. À côté, on a une petite salle de bain. Non, c'est trop bien. Attendez, regardez la vue. En train de déguster meilleure mousse au chocolat. J'ai une panna cotta à la mangue. Et c'est de la mangue fraîche, c'est pas un coulis industriel. Et on se régale. It's like a